Je vous dis la vérité, d'accord? Pourquoi dire qu'il s'était enfermé? Parce que la porte était fermée à clé. Regardez la photo, ce n'est pas une serrure, c'est un verrou tournant. N'importe qui aurait pu le mettre en position fermée et claquer la porte en partant. Qu'importe! Il y avait un tabouret contre la porte. Vous m'expliquez comment il a fait, celui qui est sorti après? Dans le rapport de police, il est simplement précisé que le tabouret était posé devant les deux battants de la porte-fenêtre. Puis dans un rapport ultérieur, quelqu'un avait rajouté que le tabouret bloquait l'entrée de la pièce. Le rapport disait qu'un tabouret bloquait l'entrée, et c'est faux. Je le sais, j'y étais. Laissez-moi examiner les photographies de la scène. On verra si j'ai raison ou tort. Les clichés n'ont pas encore été développés et ne le seront probablement jamais, parce qu'on n'en a pas besoin dans le cadre d'un suicide.